Bonjour à toi chers spectateurs, rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui. C'est un film dont j'ai pas mal entendu parler parce que, en gros, courant mi-juin, enfin plus début juin d'ailleurs, il y a un petit festival qui s'appelle les Saisons Anabik qui est surtout organisé par le distributeur Arthouse, qui est spécialisé dans la distribution de films nippons sur le territoire français, qui propose de découvrir pas mal de ces films assez en amont. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, on va du film qui sort ben, aujourd'hui, fin juillet, Jusqu'au film qui sort euh, en février 2024. Donc c'est assez large. Et il y avait ce film-là au milieu qui avait l'air d'être une petite fantaisie extrêmement délicate, touchante et très émouvante et que j'avais très envie de voir. Le résumé pour faire simple il est régisseur Lumière dans le monde de la danse. Elle est chauffeur de taxi. Un soir, elle finit une course qui l'emmène dans son théâtre. Elle s'arrête et le voit danser. Les souvenirs remontent, une histoire lointaine et pourtant si proche. C'est un magnifique et délicieux petit bonbon japonais que nous offre Daigo Matsui ici. C'est typiquement le genre de long-métrage que je trouve juste créatif comme il faut, juste touchant comme c'est nécessaire pour réussir à nous embarquer, juste profond comme il, comme il est utile en fait d'y avoir dans ce genre de petite histoire qui veut simplement nous montrer deux êtres humains qui ont partagé quelque chose et qui Redécouvrent tout doucement ce qu'ils ont partagé. Et puis, encore une fois, il y a cette créativité japonaise que j'aime beaucoup qui consiste à prendre quelque chose qu'on pourrait imaginer comme très classique, très sommaire, et de lui amener juste la profondeur dramatique qui soit nécessaire pour l'avancée du récit, et faire ainsi en sorte que le spectateur soit complètement embarqué dans cette aventure. C'est pas un film qui va vous faire voir d'un nouvel œil, on va dire, le genre du drame romanesque. C'est pas un film qui va vous faire voir la société nippone d'un autre œil, loin de là. Mais la sobriété, la douceur, la tendresse, la justesse avec laquelle le cinéaste parvient à construire et finalement un peu déconstruire le parcours romantique que l'on pourra avoir sur ce type de film, eh ben c'est ça en fait qui nous touche et qui arrive à faire de rendez-vous à Tokyo bien plus que simplement une, une énième histoire d'amour racontée de manière classique ou banale, comme j'ai pu en parler dernièrement avec Love Again. non, c'est un film qui arrive à réellement prendre quelque chose d'intéressant, et qui l'emmène dans un retranchement créatif qui est prenant, enivrant, et qui fonctionne, tout simplement. Les histoires d'amour sont complexes à amener dans un retranchement dramatique et cinématographique qui sonne comme novateur, ou si ce n'est novateur, en tout cas un poil plus surprenant que la moyenne, qui a tendance à faire de ce genre quelque chose de cliché, de facile et de convenu, voire même de très simple. Daigo Matsui nous emporte dans une oeuvre qui touche par la sensibilité de ses personnages, qui émeut et emporte par son cheminement dramatique, cherchant à nous accrocher par sa structure à rebours, et qui parvient, dans un relationnel sonnant tout de même comme assez classique, à donner lieu à un moment de cinéma qui nous emporte, qui nous passionne, qui nous touche, tout simplement. En termes d'écriture, la grande force du scénario de Daigo Matsui, c'est la manière qu'il a de se déconstruire. Parce que, Partir du postulat de nous emmener dans les souvenirs d'un couple, c'est facile. En tout cas, ça a été fait par le passé. Hein. Construire et déconstruire un récit de cette manière-là, ça peut être simple, on va dire, de le faire ainsi et de faire en sorte que l'on redécouvre des personnages et que l'on comprenne un petit peu leur mentalité par le biais justement d'un retour dans le passé. Mais le déconstruire d'année en année en prenant une seule date comme point de repère, l'anniversaire du héros central, et eh bien, c'est hyper créatif. C'est hyper créatif parce qu'on sait qu'on a une délimitation temporelle bien fixe, parce qu'on sait qu'on a un cadre dans lequel le spectateur va un peu s'épanouir. Il va y avoir cette régularité, ce quotidien qui va accompagner finalement une logique de récit où on va être dans une forme de banalité sublimée. Et c'est ça en fait qui porte finalement le scénario de Matsui c'est cette intimité dans le quotidien le fait d'amener un espèce de repère par le biais du 26 juillet, date en plus de sortie du film, ce qui rend le truc encore plus ludique et encore plus amusant si vous êtes allé voir le mercredi de la sortie, ça rend le film très intéressant pour le spectateur et au-delà de ça, ça crée, comme je disais, cette espèce de cadre dans lequel on va avoir une forme d'épanouissement. On va se dire, je veux suivre ce personnage parce que je veux comprendre comment il en est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. Et le fait de revenir d'année en année et de savoir que plus on va remonter, plus finalement il va y avoir une forme d'insouciance qui va se faire, et donc il va y avoir une forme de joie. C'est particulièrement satisfaisant, parce qu'il y a plein de films romantiques qui partent d'un postulat comique et qui vont vers le dramatique. Là, d'aller vers le dramatique, vers ensuite quelque chose de plus délicat, de plus touchant, de plus émouvant, de, de plus joyeux, eh bien ça, ça enivre le spectateur, ça le touche et et c'est ça en fait que je veux retenir de ce scénario. C'est que là où la plupart des films ont tendance à vouloir osciller et partir d'une base drôle et aller vers quelque chose de tragique, partir de quelque chose de tragique et aller vers quelque chose de drôle et d'attachant, bah, ça rend le scénario particulièrement attachant. Matsui cherche à emmener sa dramaturgie dans une direction émouvante, cherche à jouer avec le caractère de son héros puis de son héroïne, à donner à la fois le point de vue féminin de cette aventure romanesque mais également le point de vue masculin pour faire en sorte que tous les spectateurs soient touchés par cette aventure. On sent que le scénariste veut rendre hommage au cinéma de Jarmusch dans la structure et le développement de ses protagonistes, mais cherche aussi tout simplement à emporter par le compte à rebours surprenant de cette rencontre qui permet à ce récit de ne pas sonner comme plat mais au contraire de constamment titiller la curiosité du spectateur. En termes de mise en scène, Daigo Matsui a cette sobriété typiquement japonaise. Je veux dire, l'ensemble de la mise en scène est surtout fait de plans fixes, de jolis cadres qui vont amener une certaine forme de répétition. C'est un défaut qu'on pourrait amener d'ailleurs, hein. c'est cette sensation que par le biais qu'il répète constamment cette date du 26 juillet, il amène les mêmes plans, euh, les mêmes mouvements, les mêmes répétitions, les mêmes instants qui sont vraiment des espèces de repères qui vont construire ou déconstruire le caractère des personnages principaux. C'est en même temps très ludique parce que finalement l'idée de remettre des mêmes cadres, de remettre des situations qui vont juste avoir une temporalité différente, ça permet au spectateur de se dire bon bah je sais exactement dans quelle direction il va aller et finalement de jouer sur des petits éléments de mise en scène sur par exemple une idole qui va être au bout de la rue du personnage central que parfois il va saluer et auquel il va rendre hommage lorsqu'il est de bonne humeur et que parfois il va oublier parce que dans sa tête il y a des choses plus importantes c'est un homme sur un banc qui attend sa femme qui est le seul personnage quasiment visionnaire en fait sur la logique dramatique du film, puisque au début sa punchline, j'attends ma femme, elle va arriver du futur, au début on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc perché, plus le film avance, plus on se dit que finalement c'est la partie la plus poétique de ce récit. Il y a ça, il y a, il, y a, il y a la manière avec laquelle le caractère des deux personnages est amené au fur et à mesure que le récit avance, il y a encore une fois cette sobriété que j'aime beaucoup dans le cinéma japonais, qui est de ne pas en faire trop. Que ce soit en émotion, que ce soit en mouvement de caméra, que ce soit euh, en effet de montage, que ce soit en rythmique avec la musique, etc. Tout est sobre, élégant, doux, fait avec une mesure et une demi-mesure qui veut constamment prendre du recul et qui permet à l'émotion finalement d'être décuplée par le biais de ça. Et c'est ça en fait qui me touche beaucoup dans ce type de cinéma et qui fait que la mise en scène de Matsui ici, elle fonctionne hyper bien. Le metteur en scène japonais joue donc avec la sobriété de sa mise en scène et de son cadre pour jouer sur notre attente, construisant forcément une certaine attache avec les personnages, mais cherchant aussi à faire du rythme de ce métrage un véritable atout de compréhension du passé de ses héros. Matsui aime son cadre et comme souvent dans le cinéma nippon, le metteur en scène laisse de la place pour la sensibilité, pour l'onirisme d'une rencontre qui renaît, qui reforme un couple, le temps d'un moment de cinéma ne cherchant pas uniquement donc à émouvoir mais aussi à transporter émotionnellement pour nous faire réfléchir sur l'impact du passé dans un cadre cinématographique constamment renouvelé. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon, que ce soit Yumi Kawai, que ce soit Reika Ozeki, que ce soit Jun Kunimura, immense acteur qui ici interprète un personnage extrêmement attachant que ce soit Masatoshi Nagase que ce soit Ryo Narita, Maikako euh, Ishikawa Mizuzu Kano enfin la grande majorité des acteurs secondaires ne sont pas des acteurs qui marquent profondément par des interprétations mais qui ont une belle posture et qui sont bien accompagnés par la mise en scène de Matsui mais vous vous en doutez si on retient le film c'est surtout pour ces deux acteurs principaux que j'ai trouvé juste parfaits du début à la fin et qui ont une alchimie Impériale. Sosuke Ikematsu et Sairi Ito forment un duo charmant, les deux acteurs apportant quelque chose de très sincère à leur romance et parvenant à ne pas trop tirer vers le cliché, mais au contraire à construire quelque chose de sensible. Au bout du compte, rendez-vous à Tokyo, c'est une petite perle de douceur euphorisante japonaise comme j'adore en savourer régulièrement. Euh, c'est un film qui démarre de manière très triste, donc ne soyez pas surpris si au début vous avez un peu l'impression que vous avez déprimé. C'est normal. Plus le récit avance, plus on est embarqué dans un espèce de torrent d'émotions qui embarque tout sur son passage et on finit le film avec une espèce d'immense banane sur le visage qui fait un bien fou. Certes, c'est pas un film révolutionnaire en termes de drame romantique, c'est un film qui va sur un sentier très balisé mais qui sait jouer correctement avec les bons éléments pour surprendre et pour émouvoir et c'est porté en plus par deux acteurs qui sont au sommet de leur art. Donc rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas. C'est délicieux comme long métrage. À plus!